Salut tout le monde, c'est MathGamer et... Game à 10, allez follow, comme j'ai dit dans la première vidéo. T'es au courant qu'on a entendu Game à 10? Game à 10. Gaming, G-A-M-I-N-G. Non, c'est bon, ils savent quand même, ils savent comment ça s'écrit. M-A-T-H-I-S. Ils savent quand même comment ça s'écrit. Et aujourd'hui ça va être maison. Moi je pense que je vais quand même faire un peu d'aventure. Je vais essayer peut-être d'aller sur l'île villageois. Moi j'aime bien tout ce qui est aventure quand même. Déjà je vais récolter le bois qui a poussé là. Je vais récolter l'arbre. Non pas de TikTok. Non pas de. N'écoute pas de TikTok pendant les vidéos. J'écoute pas de TikTok. Si j'ai entendu une musique pendant une demi-seconde. Je pense que je vais aller un peu dans le Nether sans rien pour éviter de perdre du stuff. Je t'ai mis 16 de bois et un stick dans le coffre. Moi je pense que je vais aller dans le Nether sans rien, du coup je vais retirer mon stuff. Je pense que je vais juste me prendre une. Je pense que je vais juste me faire une vite fait une pioche en fer. Ok. Mais je crois parce qu'il n'y a que des ghasts là-bas. Faut que tu me ramènes de trucs pour faire les clôtures de la maison là. Quelle clôture en fait? Ça. Ça là, ce truc blanc là. Bah, il n'y en a pas dans le Nether. Il y en a où? Il nous en reste peut-être un peu dans l'île. Normalement, il nous en reste. Ouais, il nous en reste. Je récupère. Je suis dans la grotte. Il nous en reste vraiment pas mal. Du coup, c'est ça. Ah, il faut que tu ailles dans le tailleur de pierre et ça va non, te permettre. What? Heureusement qu'il y a une vitre parce que j'allais tomber moi là. Tiens, du coup, c'est ici, il y en a peut-être encore un peu. Ouais, mais c'est bon, j'en ai beaucoup là. Heureusement, j'ai pas au départ, j'ai vu la vitre, j'ai fait oh non, je vais mourir. Du coup, je vais au Nether. Oh, il y a un marchand qui a spawn. On a un marchand qui a spawn chez les vaches. Qu'est-ce qu'il vend le marchand? Ouais, parce qu'il me semble qu'on a des émeraudes. Ouais, on en a, oui. Alors il nous échange la glowstone, ça on peut en avoir facilement. Oh non, il n'y a pas d'échange intéressant, on peut tout avoir déjà de base. De la canne à sucre, des champignons, on a des champignons. Une pousse d'arbre pour 5 émeraudes, ça vaut pas le coup. On en a plein des pousses d'arbre en plus. Et il y a une jarre entière de glowstone dans le Nether et des corons, on peut en récupérer sur l'île. Non pas sur l'île, sur la jarre. Ah non, c'est pas les mêmes. Ah, c'est pas les mêmes trucs. Non, mais bah, je cache les anciens. Ok. Ah oui. Attends, non. Attends, tu mets les. Attends, mais tu les mets quand même pas brut. Il faut aller dans le tailleur de pierre. Ah ok. Il faut aller dans le tailleur de pierre et choisir le bloc. Tu m'étonnes que ce ne seront pas les mêmes. Si je meurs, je perdrai qu'une pioche en fer, donc en tout 3 de fer, 2 sticks et 9 moi levels. J'ai la pioche en diam, cela. Et des bottes de fer, ça se refait rapidement. Oui, t'as ma pioche en tout, t'as ma pioche que j'utilise de base. Notre pioche à nous deux. Oui. Ouais, là je suis du coup dans le Nether. Nous récupère des blocs de magma. Non, ça va être compliqué. Ouais. Quoique là, je peux en récupérer. Je peux pas en récupérer beaucoup parce que tu vois, ils sont collés à la lave. Donc j'ai pu en récupérer qu'un seul, mais il y a une fiole entière. Du quartz. Ouais. Ah oui, il y a aussi une jarre entière, je crois, hein, qui est remplie de quartz. Donc on va pouvoir se faire max level si c'est bien ça. Parce qu'en okay. Tout, on remplit de quartz brut. C'est ça. Oh non, 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 c'était juste. J'avais juste rêvé. Alors, est-ce qu'il y a des ghasts? Non, il n'y a pas de ghasts. Eh, en vrai, c'est bien pour la maison là. Ouais, tu veux. Pour la lumière, tu veux de la glowstone? Ouais.
Ok, bah attends, je récupère un peu de quartz parce que ça me fait du level, ça. Je suis niveau 10. Ok. On peut pas casser ce quartz, sinon il va y avoir de la lave qui va arriver. Si j'ai fait les trous pour les lumières, ok. Ouais. En fait, toi, tu t'occupes beaucoup des trucs, et moi, je sais pas pourquoi je m'occupe de la maison. Bah, en même temps, moi, j'adore les maps survie. Hein. C'est explicable, toi, t'adores surtout les maps villes. Ouais. Bah, en fait, moi, j'aime bien, c'est faire les maisons de maps villes. Je trouve ça bien. Ouais. Moi, j'adore les survies. Souvent, je me crée des petites survies que je supprime vite fait pour m'occuper parfois. Donc, Surtout que là, on est en confinement de merde. Ouais, jusqu'au 2 mai. 5. Non, 2. 5. 5, ok. Je suis rentré presque niveau 10, je suis déjà niveau 13. Et il me reste encore un peu de quartz à récolter. Pourquoi t'as fait une grande tour là ? Non, c'était pour voir s'il y avait des quelque chose dans le bouchon. Okay. Il y a rien. C'est vide. Alors que je sais dans une map du même style. Parce que je sais que dans une map du même style, bah en fait il y a quelque chose dans le bouchon. Il y a un full diams. Du coup je voulais savoir si c'était pareil dans celle-là. Je vais essayer juste de récolter l'XP. Je suis en train de cramer. Non. Mais je vais survivre, hein. Je vais survivre, t'inquiète. Bon, de toute façon, je m'en foutais. Je disais non pour rire. Oui, mais de toute façon, je vais survivre. Oui, sauf que ça t'intéresse quand même 14 niveaux. Ça fait quand même pas un peu chier de perdre 14 niveaux. Non, mais même si je suis niveau 100, ça me fera pas chier. Bah oui, sauf pour les enchantements. Sauf que tu oublies quand... En disant ça, tu oublies que t'es dans une survie et l'enchant c'est super. Mmh. On est épisode 5 d'ailleurs. Je précise pas, on est qu'à l'épisode, par contre pour moi ça me paraît logique. On est épisode 5. Du coup, là je ramène un peu. J'ai même un champignon. Je sais pas comment j'ai eu un champignon dans le Nether, mais j'en ai eu un. C'est vrai que dans le Nether il y a des champignons. Voilà. Voilà, je suis là, je suis de retour. Je donne tous les blocs que j'ai obtenus et puis je vais me faire le quartz. T'as du quartz là ? Là, je suis en train de me le crafter. Voilà. Faudrait que tu me le passes. J'en ai besoin. Non merde, j'ai fait des piliers de quartz. C'est pas grave. Attends, non, je peux retransformer ça, non ? Oh non, mais non, t'auras que des piliers de quartz, hein. Pas grave, ça sera pour faire le sol de l'étage. Voilà. Tu mets les lumières, STP. Non, j'ai pas trouvé de glowstone, enfin si, mais elle était en hauteur, j'avais pas de bloc. Et j'en ai pas pris. Faut que tu ailles rechercher du quartz, STP. J'en ai pas assez. Bah il y en a plus sur l'île, j'ai pris tout ce qu'il y avait sur l'île, sinon je me prends de la lave. J'ai même cassé ce qu'il y avait dans la lave. Bah non, notre étage il sera foutu un peu. Bah oui, mais je peux pas en fait. En même temps, cette map n'est pas faite pour être une map déco. Mais c'est pas pour une map déco. Oui. C'est pas une map de survie, donc en même temps il n'y a pas des quartz, des minerais, il y en a à la foulée, alors c'est de la survie, mais des trucs de déco à la brouette, il n'y en a pas. Hein. D'ailleurs, je pense que je vais essayer d'aller récolter de l'obsidienne. Mmh. Tu peux me passer la pierre chandiems du coup? Deux secondes. Hein. J'ai obtenu un escalier, je te. Merci.
ça non. Fait... Au pire, tiens. on va. Tiens. Ok. Ok, t'es où? Je l'ai jeté là. Ici. Où je suis là? Ah oui. Je la voyais pas avec le verre. Tu sais que je pourrais avoir de l'obsidienne. Si je meurs, non, j'ai un bon. J'ai le truc du nether. Ok, bah, oh, j'ai une idée. Normalement, le portail du nether, il y a 4 blocs qui sont inutiles et il m'en faut 4 pour faire la table d'enchant. Parfait, ça. Ouais, il en a 4 qui sont inutiles, du coup, je vais aller les récolter, les 4 obsidiennes inutiles. Et surtout, il y a en dessous, il y a encore de l'obsidienne. Donc, je vois bien là. Ok. Oui, j'ai failli tomber. Moi, je suis en train de récolter l'obsidienne inutile du portail. Hein. Pour voir qu'on. Il me faudrait. Ouais, après, il me faudra ta. Bah, nous, c'est vraiment utile. Il me faut l'obsidienne. C'est pour faire le. C'est pour faire la table d'enchant. Je coupe le feu parce qu'on va se brûler. Parce qu'il faut pile 4 obsidiennes et sur un portail du Nether complet, on peut récolter pile 4 obsidiennes. Donc, du coup, on a pile assez pour la table d'enchant pour une obsidienne. Ouais, et après, il me faudra ta pioche, s'il te plaît. Bah, je suis en train de casser mon bloc et c'est bon normalement. T'as obtenu le bloc? Ah non, il est encore en haut. Il faut encore que je casse du coup ce bloc. Voilà. Donc, tiens. Merci. Donc, maintenant, je crois bien qu'on a assez pour faire le un livre. Donc en soi, on va pouvoir... Ah, moi... Ouais, non. Par contre, tu... je le referme pour éviter qu'il s'enfuit, ces animaux. Hein. Ouais. Je sais pas pourquoi je récolte ça, mais je trouve ça joli, donc ça va faire une décoration. Un netherrack? Ouais. Non, roche de nether. Oui, bah c'est la netherrack. J'ai envie d'aller dans le... Ouais, parfait. Parfait, on a de quoi se faire la table d'enchant. J'ai dans le nether, ok? Ok, vas-y. Va voir comment c'est. On est à la table d'enchant. Il nous manque plus que les bouquins pour avoir le pour avoir des... Quoi? C'est ça le... Mais what? Ah, c'est ça le nether? Bah oui, c'est pour ça que je peux pas récolter du quartz à l'infini. Mais si, il y en a alors. Ok, vraiment, il y a la lave qui circule un peu. Mais il n'y a pas de gaz. Non, non, c'est parce qu'on est en passif et sûrement, quand on va la première fois dans le nether, le passif n'a aucun effet. Ok, je récupère de la glowstone. Par contre, la table d'enchant, s'il faut la mettre full bouquin, elle tiendra pas dans la maison. Donc du coup, je vais la mettre à l'extérieur. Parce qu'il va nous falloir combien... Ouais. Ouais, ça sera pas suffisant parce qu'il nous faut déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 x 2, 14 bouquins. Et 12. Il me faut 12 bouquins. 12 en fait, bookshelves. Tu disais qu'on pouvait pas du tout rattraper la glowstone, mais largement elle est pas haute. Hein. Ah bon? Donc pour moi, tu casses les blocs rouges là? Oui, si, par contre, on vient juste de t'entendre en bugger. Ça nous a fait mal aux oreilles. Je pense que aux abonnés, ça a fait mal aussi aux oreilles des abonnés. Non, j'ai. Non, non, crotte, elle est où? Elle est là. Tu m'entends plus en bugger là? Oui, non, c'est bon. Oh, ça fait déjà 15 minutes. Ok, je suis trop bien en glowstone là. Ouais, bah, je pense que du coup, j'avais dit 15 minutes pour l'épisode. On va s'arrêter. On va s'arrêter dans ce que Mathis a fait sur le tout. Ah oui, ok, je me demandais comment on fait pour accéder à l'étage. On va s'arrêter là-dessus. Ah, parce qu'il faut qu'on fasse des échelles. Attendez, avant de nous quitter, j'ai envie de faire une belle miniature. Attends, j'arrive. Pour la miniature.
Oui, non, mais c'est juste qu'en fait, pour la miniature, en fait, il faut que... Je sais très bien quelle miniature j'ai envie de faire. Avec moi, dessus. Si, tu peux t'incruster si tu veux. Par contre, on va juste retirer cette terre, parce que sinon, elle va gâcher toute la miniature. Parce qu'en fait, les miniatures, en fait, c'est la dernière image de la vidéo. Non, tu peux prendre la première aussi, hein. Ou tu peux prendre celle au milieu, tu peux prendre n'importe laquelle. Oui, sauf en tout, moi j'aimerais bien faire en tout une capture d'écran. À partir, on se faisait ça avec une QSB, puis voilà. Alors du coup, mets-toi sur dans au-dessus de la maison, en mode coucou. Ok. Oui, bon, c'est technique pour une miniature, vous aurez ça à chaque fin de vidéo quand j'y pense. Voilà, là c'est parfait. Attends, t'es prêt? 3, 2, 1, 2.